Bonsoir, je suis Jean-Jacques Breton, président du club d'affaires franco-allemand de Provence et aussi directeur d'une société allemande Kraftanlagen Heidelberg où j'officie en France et en Suisse. Aujourd'hui, nous avons organisé une grande manifestation qui est importante pour nous, club d'affaires, qui avait plusieurs volets. Celui de fêter d'abord le 20e anniversaire de ce club d'affaires, mais ça je vais y revenir dans quelques minutes. Mais aussi et surtout extrêmement important au niveau international franco-allemand, le 50e anniversaire du traité de l'Elysée qui a fondé l'amitié entre la France et l'Allemagne. Et pour revenir sur le 20e anniversaire, eh bien, 20 ans, c'est le début de l'âge adulte. Si le franco-allemand vous intéresse ou vous interroge tout simplement, n'hésitez pas à nous contacter au 19 rue de Cancel. Demandez Christine, elle se fera un plaisir de vous renseigner. Successivement, Jörn Buscemi, qui est directeur général de l'Agence franco-allemande de commerce et d'industrie à Paris, qui va me rejoindre. Ludwig Malmann, qui est secrétaire général de l'organisation patronale Metal NRW à Düsseldorf. Et puis, par la suite, on a parlé de regard croisé. Stéphane Brousse, président du MEDEF PACA. Paul Chaffard, élu à la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, qui est sur la mission développement à l'international. Lionel Aubert, de la CGPME 13, qui est membre de la commission du développement international. Et puis un dernier plateau qui sera témoignage d'entreprise avec Jean-Luc Borel, directeur régional de KSB, et Guylaine Gerber, directrice générale du laboratoire Holistica. Et puis la parole sera au premier rang, n'hésitez pas, dans un premier temps. La définition. Si on nous demande à Bruxelles qu'est-ce que c'est les PMI ou le Mittelstand, on dit ce sont les entreprises avec 250 personnes ou 500 personnes, je pense que ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de pensée. Et le Mittelstand, c'est un entrepreneur qui est dans la plupart le propriétaire et c'est une entreprise familiale. Et j'ai rencontré un entrepreneur comme ça qui avait en Westphalie, seulement en Westphalie, 10 000 employés et qui disait « Je suis Mittelstand, naturellement. » Et c'était vrai parce que c'était sa manière de penser. Alors, quelle est cette manière? Très bref, je dis toujours, c'est comme les gens qui ont des forêts. Ils plantent pour les générations qui viennent d'après. Et ça, c'est toute une autre façon d'organiser une entreprise que si vous regardez toujours les bilans de l'année prochaine. Vous m'aviez parlé de deux aspects du Mittelstand, l'entrepreneuriat d'un côté, l'apprentissage de l'autre. Est-ce que vous pouvez développer ces deux aspects? Et disons, ça a été déjà dit, on peut trouver des statistiques, qu'est-ce que c'est le Mittelstand, chacun a ses définitions, d'ailleurs en France, on a longtemps battu pour avoir une statistique sur les ETI, qui est maintenant la catégorie bien ficelée dans les normes et autres. Mais avant tout, je crois que le Mittelstand, c'est une catégorie socio-économique et c'est tout un environnement. Et là-dedans, aussi une question vraiment d'appréciation de l'entrepreneuriat. Un entrepreneuriat qui, en Allemagne, est de base. On a un monde immédiat, von der Pika aus. Si je commence par l'apprentissage, les anciens grands patrons, même les grands groupes aujourd'hui, ils ont fait leur apprentissage. Ils savent construire un moteur, eux-mêmes. Alors tout ce parcours de la base vers le haut, je crois que c'est très très différent de ce qui se passe en France. Sans qu'on puisse dire c'est meilleur ou non, c'est très très différent. Et là-dedans, la culture, l'appréciation de l'entrepreneuriat et naturellement le système de formation. Et lorsqu'on a parlé par exemple des différences franco-allemandes, on trouve toujours, au début on a dit l'amitié franco-allemande, je crois on est quand même dans une époque où la France et l'Allemagne rentrent dans un air de la bonne gestion des différences. Après, et c'est lui à moi qui l'a expliqué, j'ai bien compris,
La grande différence entre les négociations que vous menez en Allemagne et celles qu'on arrive à mener, qu'on commence à peine à arriver à mener en France, la grande différence c'est qu'en France, le résultat importe peu. Ce qui est important, c'est la manifestation qui est liée à la négociation. Et donc, on négocie pour faire plaisir à ses troupes, mais pas pour obtenir un résultat, et encore moins pour avoir un intérêt général. Il m'a semblé qu'en Allemagne, contrairement à ce qu'on prend en France, et avec deux syndicats simplement, patronaux et salariés, les négociations sont très dures, contrairement à ce qu'on dit. Elles sont peut-être plus dures qu'en France. Mais ce qu'ils veulent absolument, c'est sortir avec un résultat. Le phénomène favorable pour le développement des zones et PME allemandes, vous le savez, c'est les banques locales, les caisses d'épargne, qui sont très proches, qui mobilisent des fonds, qui trouvent des actionnaires, plus la culture de l'entrepreneur et la culture du risque hein, et de la pérennité. Alors qu'un jeune Français, il va vendre sa boîte et qu'il a 35 ans et qu'il a fait 300. Donc, sur la métropole, c'est un élément extrêmement important de créer une conscience territoriale, parce que l'attractivité territoriale est un driver de l'économie. C'est fondamental. Et simplifier les relations, avoir plus de proximité avec les entreprises du territoire, c'est un élément fondamental pour les aider à se développer. On les comprendra mieux. Et on les fera plus parler d'entre elles si elles sont dans un grand territoire, s'il n'y a pas des exploits contre les Oudaniennes et que sais-je. Donc la commission de développement international a été créée dans cette optique-là, sur les trois chantiers que sont l'axe franco-allemand, la Chine et le Maghreb. Et aujourd'hui, je suis vraiment très très heureux d'être invité par le CAFA, je crois que c'est une première, je suis très heureux d'être partie prenante de cette première-là, parce que je souhaite travailler de concert avec le CAFA afin d'avancer le plus rapidement possible et de bénéficier de cette expérience bénéfique que représente le club d'affaires. Jean-Luc, merci de nous faire l'amitié de témoigner. Un pied en Allemagne, un pied en France. Oui. Bonjour tout le monde. D'abord, j'ai pas le choix, je dois être là. Je suis au club d'affaires franco-allemand depuis très longtemps. Donc, combien de temps au CAFA? Depuis l'origine. Moi, la réussite n'est pas ne se mesure pas seulement en termes de chiffres. C'est-à-dire qu'on est là à comparer des entreprises qui font alors tant de salariés, tant de chiffre d'affaires. Bon, nous on fait 64% à l'export, si on veut des chiffres, ok. Mais c'est la qualité de la croissance. Ce n'est pas seulement la quantité de croissance que coûte. Et si nous pouvons réussir cet objectif de croissance en multipliant le nombre de petites initiatives comme la mienne, bien nous pourrons construire de la croissance quantitative avec des petits morceaux de puzzle que nous sommes. Et si aujourd'hui, les produits Holistica sont presque plus vendus au Canada, à Helsinki, à Khartoum, à Téhéran, dans des pays comme ça, alors que nous sommes une toute petite boîte, eh bien, on peut encourager d'autres à en faire autant. Et la croissance pourra se faire par la multiplication de ces initiatives, et pas forcément par le passage du plafond de verre d'une petite entreprise à une grande entreprise si elle a envie de garder un niveau qualitatif dans ses produits. Donc je voulais rappeler d'abord une ou deux choses à propos de cette manifestation et des clubs franco-allemands en général. C'est-à-dire, cette manifestation, cette table ronde, s'inscrit dans un cycle de table ronde qu'on a fait et de manifestations depuis, je dirais, le début de la crise et le début du club nouvelle version, environnement nouvelle version, le Next, et qui ont pour vocation d'aborder un certain nombre de thèmes économiques et propres, chers aux entreprises dans le contexte franco-allemand. On a fait en 2010 notre première petite table ronde, c'était sur la crise pointait son nez sur la crise et selon les différents secteurs d'activité, les différentes réactions que pouvaient avoir les entreprises françaises de la région allemande installées en France ou dans la région et dans les différents secteurs d'activité. On avait vu à cette occasion d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de réactions et de stratégies assez différentes. Kurt Ebinger, c'est dommage, n'est pas là pour le moment, peut-être qu'il va venir, il s'occupe du DIF et de la représentation d'hier là ici, était un peu à contre-courant des autres en disant qu'il n'y avait pas de crise, par exemple. Donc voilà, on en a fait une autre, une deuxième l'année dernière, sur laquelle j'insiste aussi en collaboration avec Düsseldorf. C'était une table ronde croisée qu'on a fait à Aix-en-Provence et avec, aller à Düsseldorf en retour à Aix-en-Provence avec les mêmes intervenants.
et où les échanges ont été assez intéressants, puisqu'ils ont été assez diversifiés, que ce soit à Düsseldorf ou à Metz. La grande différence, qu'est-ce qu'elle est, sans vouloir entrer dans les lieux communs hein, entre la France et l'Allemagne? Je crois que l'énorme différence, elle est dans l'horizon de temps. C'est-à-dire que quelqu'un disait tout à l'heure que le banquier est un peu plus associé en Allemagne, c'est absolument le cas, ça se joue beaucoup plus dans la durée. Et ça veut dire aussi que les retours sur investissement qui sont attendus sont plus faibles. Donc c'est vraiment dans la durée. Le banquier allemand n'est pas comme le banquier français qui vous donne un parapluie quand il fait beau, qui le reprend quand il pleut. C'est un petit peu plus quelqu'un qui participe au cycle. À quel âge, qui s'en occupe, où est-ce qu'il habite, qui le finance? Personne n'a le temps, ni du côté allemand, ni du côté français, au niveau entrepreneurial, de prendre en charge quelqu'un. Ça veut dire ce qu'on a besoin, c'est peut-être au niveau de l'apprentissage. Là, il y a toute une question autour de reconnaissance et ainsi de suite, mais on travaille dans des régions transfrontalières là-dessus. Je crois qu'il y a des belles exemples là aussi qui fonctionnent. Mais toute cette question de mobilité, il y a la question d'assurance, de l'autre, hein, et tout ça, c'est des entraves pratiques de tous les jours des entrepreneurs, aussi bien pour les stagiaires allemands qui viennent en France avec tout un tas de problèmes qu'on n'a pas le droit de prendre des stagiaires comme ça dans une entreprise française. Bon, il y a des moyens de détourner. Et l'inverse. Alors ce n'est pas uniquement la question de langue, mais c'est toute l'infrastructure qui reste nationale. Alors ce qu'on a encore en commun aussi, c'est cette... On est conscient qu'aujourd'hui on existe grâce au réseau des PME et des entreprises. Donc ça, on travaille beaucoup avec les PME et les entreprises locales. On essaye de créer un pôle d'expertise, de compétences. On travaille beaucoup en apprentissage avec les PME et PMI locales. On sort à peu près 400 apprentis chaque année et on travaille avec les PME pour, au terme de cet apprentissage, on ne peut pas tous les absorber, nous, justement, inviter les PME et les PMI. Demain matin, j'ai justement un comité, puisqu'on a à peu près tous les trois mois, là, au niveau de Rockhopper à Marignane, un comité de pilotage sur l'apprentissage et on a invité à ce comité de pilotage les principales PME, PMI, les partenaires locaux. À travailler avec nous sur l'évolution de cet apprentissage. Et pour nous former ces apprentis, parce qu'on a la taille pour le faire, et permettre après à ces PME de les embaucher, c'est du gagnant-gagnant, parce que de toute façon, ils ont été formés sur nos produits, nos méthodologies, ils vont ensuite dans les PME, PMI. Alors on a beaucoup appris d'ailleurs de l'Allemagne sur l'apprentissage. Pour vous donner juste quelques chiffres, il y a 3 ans, on a embauché 18% d'apprentis conformés, il y a 2 ans, 30%, cette année, on est quasiment à 40%. Et on s'est fixé, j'ai dans mes objectifs là, de faire au moins 50% d'embauche au sein de Rockhopper, les autres passant justement dans les PME, PMI locales, ou certains continuant à poursuivre leur activité. Voilà, monsieur Jean-Jacques Breton, président du CAFAP, monsieur Jörn Busselmi, le directeur général de la Chambre de commerce France-Allemagne à Paris, M. Joachim Rothager et M. Ebbinghaus, les vice-présidents du CAFAP, Mme Christine Jobert, directrice du CAFAP, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'abord de vous remercier chaleureusement pour cette invitation et pour l'honneur que vous m'avez fait de me donner l'honneur d'être patron ce soir, d'avoir le patronage de cette soirée festive. Nous venons de comparer dans la discussion de cet après-midi le Mittelstand allemand et les PME françaises. Il est évident que c'est surtout notre Mittelstand qui est à la base de la relative santé de notre économie. Des petites entreprises, souvent familiales, qui occupent une niche dans le marché international
et qui sont souvent leaders mondiaux dans leur spécialité. C'est surtout pour ces entreprises-là que des clubs d'affaires comme le CAFAP sont des partenaires idéaux pour pénétrer le marché français. La réussite du club d'affaires est donc liée directement aux réussites des entreprises qui sollicitent ces services. Pour les prochaines 20 années, et pourquoi pas pour des horizons plus lointains, je souhaite beaucoup de santé et de succès au CAFAP. Sous la présidence performante de M. Breton, les M. Rothacker et Ebbinghaus, et sous la direction engagée et dynamique de Mme Christine Jobert, le CAFAP a de belles années devant lui. En étendant son rayon d'action à la Côte d'Azur, comme l'indique le volet de présentation, le CAFAP démontre une ambition admirable qui peut ouvrir de nouveaux rayons d'action et créer de nouvelles possibilités. Le consulat général d'Allemagne à Marseille s'engage à accompagner de près le développement du CAFAP et à l'aider dans la mesure de ses possibilités et compétences pour qu'il puisse continuer à prospérer pour la réussite de l'économie entre nos deux nations. Et maintenant, si j'en avais, je lèverais mon verre à la santé du CAFAP, son conseil d'administration, sa directrice, ses membres et tous les invités de la salle. Je vous remercie. Alors, l'aventure continue. Et personnellement, je vous remercie tous de votre engagement. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir fêter les 20 ans du club d'affaires avec vous tous et aussi quelques membres fondateurs. Au club d'affaires, naturellement, je souhaite encore une longue vie et beaucoup d'actions réussies. Parce que n'oublions pas que des relations dynamiques sur le plan économique, culturel, politique sont un réel atout pour nos deux pays. Il faut en être conscient. Mais aussi de leur potentiel d'avenir et surtout d'en profiter. Merci beaucoup. Alors, on a une période où on était moins nombreux, où ça allait retomber, où les contacts étaient faibles. Et heureusement qu'il y a eu un événement fort dans la région. Il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est l'événement ITER. Ça a été un projet énorme qui draine beaucoup de monde, qui draine beaucoup de contacts et d'entreprises qui sont intéressées par cette région. Donc là, on est resté. Grâce cette fois à Jean-Jacques qui a amené plein de bonnes idées, on a créé un deuxième club, et là il en parlera tout à l'heure, le même, c'est toujours le CAFAP. Et là, je suis resté bien entendu, parce qu'à nouveau des contacts, et puis je ne pouvais pas quitter une équipe aussi sympathique. À tous justement d'être parmi nous aujourd'hui, de fêter les 20 ans. Et puis, je pense que en ce qui concerne le club d'affaires franco-allemand, de toute façon, on va se retrouver à Berlin. Donc ça, c'était un peu le scoop, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis reçue avant la date de la rencontre qui va être organisée à Berlin cette année, parce qu'il faut savoir que tous les ans, en fait, il y a une rencontre internationale, on l'appelle internationale, mais en fait, c'est franco-allemand, qui est organisée par un des clubs franco-allemands, on est 18. Et on essaie de le faire en fait en alternant une fois en France, une fois en Allemagne. Donc l'année dernière c'était à Lille et l'année prochaine, cette année pardon, qui en plus l'année des 50e anniversaire du traité d'Elysée, c'est emblématique, ça sera à Berlin, le 21 et le 22 novembre. Et puis l'année prochaine, c'est toujours Montpellier, je vous souhaite encore une bonne soirée.